Bienvenue à tous. Dans ce deuxième tutoriel, nous allons voir les boutons de défilement. Alors, comme nous l'avons constaté, notre carrousel fonctionne correctement. Cependant, il n'y a aucune marge de manœuvre à l'utilisateur d'aller à une image précise. C'est ce que nous allons faire, donner la possibilité à nos utilisateurs d'aller à une image précise. Sans pour autant tarder, nous mettons directement au travail. Bien, là, nous avons déjà la structure que nous avons montée précédemment. Alors, je viens juste après les conteneurs qui gèrent tout ce qui est image défilante. Je vais rajouter un élément de type A que je vais fermer immédiatement. Son attribut la plus redoutable, le href, j'enregistre. Alors, avant de compléter cet attribut href, je reviens au niveau de mon conteneur global, celui-ci. Alors, je lui rajoute un ID que je vais appeler comme moi je le souhaite. Je l'appelle mon carrousel. Cet attribut va nous être très utile à la suite. Je reviens au niveau de l'attribut href. Je fais référence à cet ID. Donc, je lui donne la valeur dièse mon carrousel. Je rajoute maintenant les classes qui me sont offertes par Bootstrap. Classe, je l'appelle carrousel-contrôle-next. Je sors, je rajoute un autre attribut toujours fourni par Bootstrap, data-slide. Celui-ci, je lui donne la valeur next et je viens entrer mon élément A. Je vais rajouter l'icône. Pour le faire, j'utilise un span dont je vais fermer immédiatement. La classe est celui fourni toujours par Bootstrap, carrousel-contrôle-next-icône. Voilà, j'enregistre, je peux actualiser ma page. Voilà, on voit très bien que mon bouton de défilement apparaît. Je peux cliquer, on voit que ça fonctionne parfaitement. Nous allons rajouter également le bouton de défilement pour la partie gauche. Pour le faire, toujours dans la même logique, je rajoute l'élément A, je le ferme immédiatement. À l'intérieur de mon A, je rajoute son href. Je lui donne la valeur dièse mon carrousel. Donc, je fais référence à l'élément parent. Je rajoute classe. Je donne les classes qui me sont offertes par Bootstrap. Carrousel-contrôle- cette fois-ci prev. Voilà, je rajoute l'attribut data slide. Je lui donne la valeur
brève, je vais à l'intérieur pour ajouter mon icône span, je la ferme, span. Alors j'utilise la classe toujours fournie par Bootstrap, carousel-contrôle-brève-icône et j'enregistre. Je peux aller sauvegarder, je peux actualiser maintenant. Voilà, cette fois-ci il apparaît bien. Je peux cliquer, je vois que mes boutons de défilement fonctionnent correctement. Donc nous avons amélioré notre carrousel en lui mettant les boutons qui permet à l'utilisateur de devenir le maître. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater. Dans la prochaine vidéo, nous allons encore améliorer davantage.